Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de moi. Comment ? Il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de moi, dans l'ombre. D'accord, et vous ne pensez pas arrêter la grève maintenant ? Pour l'instant, j'arrête quand j'ai obtenu ce que j'ai demandé. Vous avez demandé quoi, je crois ? Beaucoup de choses. Et si vous l'obtenez pas ? Bon, j'avais déjà fait les grèves le matin de mon livre. La première fois pour les pâtes, la deuxième fois pour ma fille, la troisième pour les skis. Ah ouais, je suis toujours pour les autres. Non, mais quelque part, quand tu fais pour les autres, c'est pour toi aussi. Les gens nous considèrent pas comme eux, mais nous, on est comme eux. On a des besoins, des envies. Tu vois, c'est... C'est pour ça, mon livre aussi, c'est pour changer le regard des gens. On est comme eux. On mange et on chie comme eux. Bon, moi, je chie pas parce que pour l'instant, je suis un... Bonne journée, bon courage. Ça n'empêche pas que tu peux acheter mon livre. Ça n'empêche pas de quoi ? Tu peux acheter mon livre. Donc je l'ai lu maintenant, c'est ça ? Ou tu veux... Ouais, il était venu pour lire. Mais ce que je comprends pas, c'est toi qui... C'est la traduction, ça. Et là, c'est pas toi qui parle, non. Si, c'est moi. Il n'y a que cette page que c'est l'éditeur qui l'a fait. D'accord.
Non, la vie ne m'a pas fait de cadeaux. Et se retrouver à la rue n'est pas un crime. Seulement voilà, on nous traite, nous autres les exclus, comme si on avait perdu notre humanité, comme si, presque, on était des criminels. La misère nous a ghettoisés. Le regard qu'on porte sur nous-mêmes nous ghettoise encore plus. C'est contre ça que je m'élève. C'est ce regard que je veux changer. Si on nous faisait confiance, si on nous écoutait comme on le fait pour tout le reste de l'humanité, nous serions enfin en mesure de sortir de la spirale infernale qui nous retient dans la rue. Mais vous êtes toujours dans la rue ? Vous avez touché pas d'argent avec votre livre ? Les droits d'auteur, ça marche sur l'année. Vous les aurez plus tard. Hein. On s'en fout de ça. Moi, je me bats pour les autres. Oui, mais si vous pouvez quitter la rue... C'est pas une question d'argent. C'est pas qu'ils ont quitté ou pas quitté. Non, mais je me bats pour ceux qui peuvent pas se battre. Vous pouvez vous battre et plus être dans la rue aussi. Ça, c'est un autre problème. Ouais. Je m'occupe pas de moi, je m'occupe des autres. D'accord. Vous voyez ? Ah, mais faut penser à soi aussi un peu. Clochepointe, c'est pareil. Parce que j'ai créé Clochepointe. Je suis Clochepointe. Mais... Au fil à manche, je m'appelle Jean-Paul, je suis rasé et tout. Clochepointe, en combattant, je me lave pas, tout, tata, tata. C'est-à-dire, je reprends la position du clochard. Disons... Tout ça, c'est psychologique, si tu veux. Il y a un nuage.